Guilty Gear Xrd. Revelator. Salut à tous, c'est cool, on se retrouve sur ça, ce qu'il vient de dire et que je l'ai aidé à finir, gracieusement. C'est un jeu de combat. Alors moi, vous savez, je suis nul au jeu de combat, je n'aime pas ça, je ne connais pas cette série, enfin je la connaissais pas avant ce jeu, donc je me suis dit, bah écoutez, je suis tout désigné pour faire une vidéo dessus, donc si on pouvait faire une vidéo sponsorisée, ce serait pas mal, c'est ce qu'on va faire. Non, c'est pas sponsorisé. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de montrer l'histoire. Et je n'ai pas le droit de montrer... Enfin, en fait, j'ai pas le droit de montrer le déroulement complet d'une histoire. Donc j'ai peur. Ce qu'on va faire, c'est Battle et... Attendez, c'est Arcade et je crois que c'était MOE... Non. C'était ça. Épisode. C'est ce qui s'est passé pour chaque combattant avant ce jeu-là. Je pense que j'ai le droit de faire ça quand même, faut pas déconner. J'ai un peu joué au jeu. 79 minutes, je crois. 81 minutes, d'après Steam. Donc on va voir. Je risque de casser des fesses, là. Ça va être pas mal. Je disais, j'aime pas les jeux de combat, c'est que je suis extrêmement mauvais dessus, ce qui rend très désagréable pour moi de jouer au truc. Alors, moi j'ai envie qu'on se prenne lui. Je nous ai gardé Johnny, parce que je me suis dit, ce mec-là, et dans tous les jeux, on est d'accord que dans tous les jeux, il y a un blond qui s'appelle Johnny, dans tous les jeux de combat, quoi. Il y a aussi lui qui me donne envie, Faust, et j'avais essayé de jouer avec lui un peu, de faire son histoire, mais je suis atroce avec lui, j'arrive pas à le jouer. Et Johnny m'a l'air tellement kéké que je me dis, il doit passer, quoi. Alors... ok. Il y a plein de skins là. C'est quoi le skin de base? Il est en noir et là, il est en or. Il est dégueu celui-là, ce skin. Celui-là aussi, il est horrible. Bah, je vais prendre celui-là. Technical ou stylish? Ah oui, alors ça, on peut choisir le type de commande. Est-ce que vous voulez que ce soit atrocement dur, c'est-à-dire que vous pouvez tout régler manuellement? Enfin, tout contrôler manuellement, ou est-ce que un petit peu aider? Moi, je vais prendre ça. Hein. Je vais prendre le truc où je suis aidé. Je vais garder le même bouton layout, s'il vous plaît. Next stage, on est parti. Ah oui, alors merde, il y a les cinématiques au début, alors est-ce que je peux les laisser? The Jellyfish Pure. Ah oui, alors ça a l'air perché ce truc-là. Oui, ça c'est les doublages qu'on aime. J'ai pas envie d'être en enfoiré, donc j'ai rien dit. Ouais, voilà, alors je vous aurais résumé la cinématique en un petit passage de quelques secondes, je pense. Pour pas me faire ban de YouTube parce que les développeurs veulent pas qu'on le fasse. Moi j'ai peur, vous savez, je vis dans la crainte. Je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo, pourtant je l'ai réclamé. Ok, pour l'instant, ouais, non, t'es tout ce que je voulais que tu sois. Et plus encore. Ah putain, c'est exactement le personnage que j'attendais. Eh, les introductions de personnages sont classe. Hein. Ah, c'était classe l'autre fois aussi. Alors... Attendez, parce que là j'étais incroyablement mauvais déjà quand j'avais fait les tutos, mais maintenant que je m'en rappelle plus, j'ai bon espoir d'être encore pire. Ah bah ça, j'ai spammé là, ça a l'air de fonctionner. Alors déjà, un truc que j'aime pas, qui me rend atroce, c'est que les touches des maîtres d'Xbox, je déteste ça, les flèches là. Et je joue avec ça, présentement. Voilà, après je me trouve pas d'excuses, je suis en train de la défoncer, donc de toute évidence, je maîtrise mieux le sujet que je l'ai dit. C'est pas vrai. Alors bien sûr, pour contrer, il faut encore se mettre dans la direction opposée ou s'accroupir selon ce qu'on doit contrer, bien sûr. Classique. Ah, j'ai fait un truc. Je vous rassure, c'était au pif. Elle est pas morte là, sérieux? Voilà, ça fait un round sur deux où elle se fait défoncer et moi je suis presque intact. Ouais, tout ce qu'il dit. Chinchilla, ouais. Et il faut pas ça. Ah, c'est bon? Ah non. Dragonica Falls. Le jeu est joli, hein, je trouve, moi. Je crois pas que ce soit des modèles en 3D, si. Ça m'a l'air d'être animé frame par frame dans la cinématique d'intro là, des personnages. Donc je me demande. Enfin, je sais pas, les gars. Si, c'est de la 3D quand même, faut pas déconner, non? Oh, j'ai fait un truc là encore. Oh là. Ah, c'est bon, c'est fini là. Je l'ai torché. Ah, bah ça sert plus à rien de continuer là. Je crois que je vais arrêter la vidéo sur ce combat, ce sera très bien. Bon, ça y est, c'est le premier de l'histoire, donc il est pas censé être dur. J'ai eu un truc pure luck dans le coffre là, qui est rentré dans le coffre. Je peux pas vraiment contester. Oh putain, une rose. Oui! Johnny Boy! John Boy! Ta dernière erreur! Elle était énorme, sérieux. Mais on l'aime bien! Allez, à plus, grosse naze! Alors, il y a des trucs spéciaux à chaque fois, ils nous disent. Anti-air weapon, no guard. Je n'ai jamais paré une seule attaque. Ouais. Bon, c'est dire que c'était facile aussi. Il y avait marqué comme level easy, donc je crois que c'est le niveau de l'IA. Mais bon, c'est le début, vous savez, ça va devenir plus dur après.
Vous plaignez pas trop là tout le temps, parce que bon, ça me gonfle. Putain, qu'est-ce que c'est que ça encore? Comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Bedlam en plus, Bedman pardon. L'Omni. Bah je vais le défoncer comme les autres, on verra ça. On verra comment ça lui plaît à Bedman. Voilà, je l'enchaîne là, je laisse pas le temps de respirer. C'est pas comme s'il savait se défendre, j'ai l'impression. Il va tomber comme les autres. Oh là. Voilà. Bon, si j'alterne les coups, aléatoirement ça va faire des combos selon toute logique. C'est un peu ma technique quand je joue contre des gens sur les jeux de combat. C'est insupportable là comme je l'ai défoncé, non? Impossible à regarder, ça fait trop mal quoi. Allez, round 2 et vite. Bah ouais, keep on rocking, ouais. Vas-y, ça m'a toujours fait rire dans leur jeu, ils mettent toujours des... Vous me direz, on le fait aussi, hein. Je sais pas pourquoi je me moque, mais... Ils mettent toujours des voix en anglais, les japonais, ils adorent ça. On fait pareil, hein. Y'a que le Québec qui est assez fier pour traduire tout ce qui est anglais. Oh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire, là? Quoi? Ouais, bah... J'étais en train de regarder sur le côté, là, fier d'avoir dit une connerie. Non, mais c'est fini, là, hein, Bedman. Perfect. Y'a quelqu'un qui parle par-dessus, là. Pourquoi y'a quelqu'un qui parlait par-dessus, à la fin? C'est le commentaire des développeurs. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Oui, bah... Tu as fait une erreur, c'est de me rendre sérieux. Il y a des fois, je me dis que ce serait bien de transporter mon lit avec moi, mais après avoir vu ça, j'ai des doutes. Merci Johnny, c'est une analyse pertinente. C'est bon, je l'ai défoncé là, j'ai même pas besoin de voir ça. Je l'ai stun apparemment. Je crois que quand je lance la pièce, ça le stun. J'essaierai de le refaire si je trouve comment. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? L'OST est vraiment sympa par contre. One Again. Il y a plein de trucs qui sont sympas, j'aime bien pour l'instant moi ce jeu. C'est juste que bon. L'univers, je n'y connais rien. Et j'imagine bien que s'ils appellent un truc XRD, parce que bon, c'est pas genre Third ou Fourth ou un truc comme ça, c'est XRD, ça veut dire qu'ils en ont fait combien avant quoi. Ils ont même plus de numéros pour nommer leur jeu. Ils ont dû en faire au moins 10, non? Parce que bon, ça fait bizarre après de nommer un jeu au-dessus de 10. Moi que ce soit Final Fantasy, mais. Même là, ils commencent à revenir en arrière là-dessus. C'est un espèce de vampire, non? Il se change en. Enfin, je sais pas. Le niveau est perturbant derrière. Vous aurez plus le temps de voir que moi, mais... Qu'est-ce qu'il fait, là? Il essaye de me parier alors que je fais rien. Ridicule! Voilà, c'est bon. Défoncé. On a de la tension. Ouais. Qui nous permet de faire des combos plus grands, je crois, quand on l'active. Putain, mais j'ai plein de pièces, là. Oh, putain, je fais bien un coup, là. Je sais pas ce qu'il essaye de faire en même temps. Si je le laisse jouer, est-ce qu'il arrivera à me faire des combos? C'est vrai que moi, j'aime bien le défoncer, là, sans préavis, mais... Mettre dans un coin là. Allez, perfect. Voilà. Non, toujours pas d'aide. Ah bah pas perfect. Wouh. Faut pas que je laisse le temps de développer son jeu, ça c'est l'erreur. Voilà, je l'ai parié. J'aurais parié au moins un truc, on me dira pas que j'ai rien paré. Vous pouvez faire des dashs en l'air. Et même au sol. Parce que sinon les personnages marchent. On peut pas les faire courir et je trouve ça très perturbant. Donc on est obligé de se déplacer en dash si on veut être un petit peu rapide. Oui oui, tu vas exploser la rose avec ton truc. J'ai entendu dire que t'étais mort. Est-ce qu'il y a des bonasses de l'autre côté? Eh oui, parce qu'il allait de l'autre côté, donc il pourrait nous dire. Non, mais c'est une question légitime de Johnny. Hein. Kikist. Kist. Moi, c'est tout ce que je retiens dans ce nom. Erreur fatale. Tout le monde retiendra ça de lui et l'appellera Kist. D'accord. Mon épée pour la justice, pas pour la merci. Pas pour. Ouais. La merci, je sais plus ce qu'il y a dit d'autre. En tout cas, tu vas te faire défoncer, on va voir pour qui c'est l'épée après. Mon katana, moi, c'est pour. Je sais pas. Pourquoi c'est pour ce personnage? Je connais pas trop bien son lore, donc je peux pas dire, mais. Moi, j'ai regardé la cinématique d'intro et bon, ça a l'air d'être un vicieux connard. Wouh! Bizarre, y a pas de cinématique pour chaque personnage qu'on combat. Moi, quand on me dit. Oh putain, il me défonce là! Quand on me parle d'histoire d'un personnage, je me dis, bon, il y aura des cinématiques, mais pas du tout. Je sais pas ce que je lui fais là, mais je le défonce. Il est pas dead là. Oh là, tout ce que je t'ai paré mon pauvre. J'aurais honte à ta place. Voilà. Allez, ça dégage ça le kiss là. Non c'est bon, dégage. Je veux plus te voir. Je comprends rien, je sais pas parler un seul mot, je pipe que dalle. Counter? Je me suis fait défoncer là. Il peut m'écrocuter avec son épée là. Comment il la tient là? T'es ridicule. T'impressionne personne. Les mouvements qu'a mon personnage. Dis-moi, moi je m'en rends compte au fur et à mesure parce que... Vu que je joue,
suis occupé à spammer. Ah, qu'est-ce que t'as cru faire là? Contournement? Ouais, y a quelques trucs quand même que je connais. Ouais, non, ouais, j'aurais préféré que non, tu vois. Hop là, dans le dos. Putain, c'est pitoyable. Oh, ça je sais pas comment je le fais, mais à chaque fois, ils aiment pas trop. On a aussi des shops, mais c'est dur à faire parce que ça se parie. Mais quel con, il va pas spammer d'Hadouken non plus tant qu'il est. Allez, faut que ça se finisse là. Ah ça. Allez, une dernière. Oui. Le cri classique de fin. Oui, oui, lance ta rose là. Ce mouvement de fin. Ok. Like you grew a pair, donc si t'avais poussé des testicules. First blood. Ouais. Allez, gros naze. Au prochain. Next. Ino versus Lino. Elle a une guitare, elle. Toi, je sens que tu vas être ridicule comme personnage, j'ai hâte de te voir. Sick. J'ai vu ces deux énormes boules qui te servent de sein. Immense. Ouais, ça dégage, hein, ça dégage. Ouh, 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 la résistance, là. Ça va, ça va se casser comme les autres, ça. J'aime bien lancer des pièces, des fois, on dirait que c'est un objet spécial, vu qu'elles sont en bas à droite, là. Ça va me servir à stun. Qu'est-ce qu'elle a essayé de me faire, là, du Guitar Hero? Ça marche pas avec moi, ça. Tu sauras pour ta gouverne que je suis complètement nul à Guitar Hero, donc c'est rien d'essayer de m'avoir avec. Voilà. Allez, ça dégage. Ah putain, je suis loupé. Oh ah, c'est très dur à passer les grabs. Hein. Ça va. C'est moi qui dois t'attaquer à chaque fois ou comment ça se passe là? Voilà. Oula. Ouais, c'est pas fini, oui. Ah oui, parce que là c'est chaud. Ah putain, j'aurais pu la choper. Non, oui. Je l'ai eu. C'est fini, c'est fini. Non, c'est pas fini. Non, non, please. God. Oh, c'était chaud. Qu'est-ce qu'il y a eu qui? C'est moi qui t'ai eu. Très bien. Oui, oui, retourne-toi. Putain, ce mec là. Ta-ta-da. Représente toute la culture over the top d'un continent entier. Hop là, contournement. Oh, connerie, elle a failli m'avoir. Oh, je savais pas venir ça. Non, bolos. Qu'est-ce qu'elle m'a fait là? Je sais pas ce qu'elle m'a fait, elle m'a étranglé avec une corde de guitare. Moi, ça va pas durer longtemps ces conneries. Ah, je la chope au vol. Putain, j'ai fait un combo de 5, c'est incroyable pour moi ça. Allez, grosse naze. C'est toujours pas fini, bah ouais, j'ai quand même rétamé là, la bolos. Non, c'est dès qu'elle contre, on voit comme je spam les mêmes touches. Elle va pas m'avoir. Là, si elle m'a là-dessus, j'arrête. Ce serait trop embarrassant. Voilà. Un peu facile ça, de hurler comme ça. Meurs avec dignité, quoi. Ok, il n'y a pas de sorcière dans ce monde, juste des gens mauvais. No garde, j'ai jamais essayé de parer quelque chose. Si, j'ai essayé mais j'ai pas réussi. Slayer, je vais le défoncer lui. Allez, un autre. Another one bites the dust. Oh, tu m'as l'air funky toi. Non, non. Ah oui. C'est un vampire de death. Vampire de. Et elle, c'est un petit peu sa poche de sang ambulante quoi. Et autre chose aussi je suppose, hein. Parce qu'on on enchaîne les péchés là. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait là? Le mec m'a touché du poing de la chaussure. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, ça marche pas ça, mec. Moi je te défonce si t'attends. Non! Bolos! Voilà. C'est vrai qu'il y a étant facile parce que putain, des fois. Allez, ça dégage! Allez, un petit J comme jaune, comme joli, comme Juan. Iniesta! Allez. Et la faque et la sangria. Voilà. Ça dégage vite, et bien. Oui, oui. Je comprends pas. Ça sert à rien. Je sais pas si on peut mettre des sous-titres, mais. Ah, j'y comprends que dalle. Les gars, je crois que le jeu est qu'en anglais d'ailleurs. On est trop naze, nous, pour avoir une traduction. Oh, putain, comme il a pris cher là. J'aurais pas du tout voulu prendre ça. Ce qui est dommage, c'est qu'en deux attaques, je lui ai fait plus qu'avec mon espèce de grab là. Oh putain, mais sérieux quoi. J'arrête pas de jeter des pièces. Oh là là là. Le pauvre garçon, il va se prendre un J. Ah là là, le J, pas le J, non. La pose que je prends, c'est génial. J'aime beaucoup ce personnage, Johnny. Il est beaucoup plus funky que ceux que j'avais eu l'autre fois. Non mais Boy, t'es mort là. Boy of the Death. Oui, je te passe à peine à travers. Bolos. Je sais pas si vous avez la pose. La pose de l'ennemi, je sais pas si vous l'avez, oui. Enfin, si vous l'avez zioté plutôt. Vous pouvez l'entendre aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Le mois de mai. Ah, une cinématique là? Non, j'ai eu peur. Oh!
J'ai pas eu ton intro là, j'ai dû appuyer sur une touche, je suis même pas sûr que j'ai pas appuyé. J'aime beaucoup l'arène là par contre, c'est très joli. Ça bouge, j'aime bien quand ça bouge moi. Je considère que c'est la moindre des choses maintenant dans un jeu de combat, cela dit. Qu'il y a au moins des éléments 3D ou 2D qui bougent dans le fond quoi. Non, bolo. Oh mais elle se bat avec quoi, une encre? Oh les dégâts. C'est quoi ça, je veux la même. Elle a fait venir une otarie là. Comment ça, elle a le droit à une otarie? Ça aussi, ce mouvement qu'il a fait là, c'est typiquement le mouvement des samouraïs dans tous les films ever. Allez, ça dégage. Non, counter. Voilà. Un petit coup de clé dans ta tête là. Ouh, il faisait mal celui-là. Extension complète, un pied bouche parfait. Un high kick. Le bateau de mes deux. Excusez-moi, j'ai juste traduit Mei. Ça fait le bateau de mes deux la phrase en anglais. Si vous trouvez que c'est un humour douteux, bah j'ai pas fait exprès. Allez, ça dégage encore, je la spam de toujours la même attaque. Le J de Juan, son Esmeralda de la Casa. Dégage, dégage. Oh, et tout ce qu'elle m'a enlevé en un combo là. Comme quoi, si j'apprenais des combos, je ferais peut-être plus de dégâts. T'as dit, c'est peut-être le style de mon personnage de faire beaucoup de touches et d'être très rapide, contrairement à elle par exemple avec son encre là, que je la défonce cette conne. Pardon, je me suis un peu emporté. Je le reconnais. Mais non, bon, j'ai fait ce que je jugeais juste. Une cinématique. Je la défonce et du coup elle est avec moi. Mais à quel âge elle? 6 ans et demi là. Ouais. Deep, c'est deep. Eh mais y'a un dauphin qui nage derrière là. L'otari, le dauphin, ça va? Ah. Je sais même pas pourquoi je me bats contre lui maintenant. Après cette cinématique, ça a aucun sens, mais tranquille. Hein. Ah. Ah si, y'a une cinématique. 2187. Deuxième roi. Écoutez, j'ai montré beaucoup de cinématiques là, j'ai peur donc je la passe, désolé. J'ai pas envie de me faire banane. Et je le spam, ça lui a absolument rien fait. Ah si, un peu quand même. J'ai des pièces des fois pour stun, on sait jamais. Tant que j'en ai. Hein. Il m'a l'air d'être un peu dans le besoin, donc pourquoi pas. Faites un don sur son Patreon. Aïe aïe. Ah, j'ai sorti vainqueur de ça. J'ai pas eu toute ta pause là, j'ai l'impression que t'es en train de parier à tout moment. Hop là, ça je te fais parier mon gars. Dégage, bolos. Voilà, slash. Dégage, dégage. Hors de ma vue, gros naze. S'il te plaît, quoi. Duel, colonie. Turn up the heat. Faites monter la chaleur, apparemment. Veut le commentateur. Un peu salace, hein. Qu'on aime pas trop ici. Ah, ça, c'est pas notre Hervé Matou de FIFA, c'est sûr. Pas la même saveur. Oh, oh. Ici Hervé Matou et Franck Sauzé. Non. Ok, on n'a pas les mêmes trucs. Ah, ça, tu m'as rien fait en fait. Pitoyable. Oh non. Il turn la game. Pour combien de temps? Ah, il a énervé son adversaire. Ça, c'est vraiment dommage d'énerver Johnny. Toujours pas fini, dit le commentateur. Ah, ça m'a l'air chaud là, Hervé. Hein. Inquiétez pas, Franck. Ça va rentrer. À force de patience. Et voilà. Et ça passe. Ah, s'il continue de jouer comme ça, on peut rester là jusqu'à 90 ans. Et ça rentre. Superbe. Allez, gros naze. Je n'insulte jamais le magnifique Johnny. Tu vas mieux t'en rappeler. Oh! Vous permettrez pas de troubler la paix de cet endroit. Qui enfer es-tu? Ok, dégage. J'ai pas envie de me faire ban de ma chaîne. Écoutez, on va s'arrêter là. Oh, une belle cinématique que vous ne verrez pas. J'espère que ça vous a plu. Pourquoi pas en refaire avec un autre personnage si ça vous a plu. Et puis voilà, allez, salut. Ah, c'était vraiment beaucoup d'efforts hein, cette vidéo. Fallait me préparer à l'avance. Beaucoup de choses à dire. Oui, oui. Ok, je reviens juste pour vous dire qu'on a fini le truc de ce personnage en plus. Hein. Voilà, j'ai passé la cinématique et c'était fini après.